Ce soir, cover spécial Officer James. Avec Bruno Fernandez. Soyez les bienvenus ici, en direct des studios ICP, une salle mythique, l'un des studios les plus prestigieux d'Europe, pour une soirée qui, elle aussi, sera prestigieuse, consacrée à Otis Redding et à James Brown, à l'occasion de la tournée Otis and James, installée par l'homme qui est ici, avec ses frères aussi. C'est eux qui vont ouvrir le feu de cette soirée cover. Vos applaudissements pour les Gibson Brothers. Shake your arms and lose your phone. Still the scene, I like a sex machine. When you got feeling, to the bone. Get it together. Right on, right on. 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 Get up now. Get on up. Get up now. Get on up. Get up now. Get on up. Get up now. Love a machine. Yeah. When you got the feeling, shoot the bone. Get it together. Right on, right on. Bon, vous l'avez compris, c'est une soirée entre adultes, hein, donc on en profite.
Chris Gibson avec les Gibson Brothers et le Soul Circus Big Band, c'est le même groupe qu'on va retrouver sur les routes de Wallonie les 16, 17 et 18 décembre prochains. Exactement, faut pas oublier ces dates. Hein. On va vous rappeler ces dates tout au long de cette soirée. Alors Chris, comment est née l'idée de faire cette tournée Otis & James ? Alors d'abord, c'est d'abord un amour immense pour la musique, pour le rhythm and blues et pour la soul, une admiration pour vraiment les maîtres de la soul, Otis Redding et James Brown et Aretha Franklin. Aretha Franklin qui va nous rejoindre tout à l'heure par la voix somptueuse de cette magnifique jeune fille que j'ai à ma gauche, Janis Jamison, que vous pouvez déjà applaudir s'il vous plaît. Mais avant de parler d'Aretha, on va encore parler d'Otis. Otis Redding, qui n'était pas le dernier à faire des reprises. C'est plus que des reprises, c'était des recréations de chansons. Ah oui, bien sûr. Bon, disons qu'il y a certains titres qu'Otis a repris qui étaient bon, d'abord des grands standards par des immenses chanteurs. Mais Otis vraiment a donné vraiment une couleur particulière. Et à la limite, on reconnaît les mélodies, mais vraiment les arrangements, la création d'Otis Redding, c'est un nouveau titre. Il va vous faire triper avec Day Tripper des Beatles. Les Beatles version Gibson Brothers Soul Circus Big Band. J'ai à côté de moi ce qu'il est convenu d'appeler une diva qui ne se la pète pas. Autrement dit, une immense chanteuse qui va se faire un plaisir. Je vous garantis que toutes les pièces sont d'origine. Je n'ai pas vérifié, mais je la crois sur parole. Et c'est pour ça qu'elle va nous chanter Natural Woman, Janis Jamison, s'il vous plaît. Au cœur de la légende de Otis et James, Janis Jamison. Like a natural woman.
you. Janis Jamison. Thank you. Plus fort que ça, Janis Jamison, s'il vous plaît. Merci beaucoup. You're very nice. Thank you. Alors, quand je vous disais, on a des artistes énormes avec nous ce soir, on a la chance d'avoir Janis, on a la chance d'avoir les Gibson Brothers tout à l'heure, d'autres artistes aussi extraordinaires vont nous rejoindre. Janis Jamison, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je suis sûr que vous, vous le savez, représente à elle seule au minimum 50% du son des Eurythmics, par exemple. C'était elle également qui a été choriste d'Elton John. Donc elle a été choriste de plein de gens, elle a travaillé pour plein de gens, et elle a sorti deux albums qui étaient très marqués par la soul, par le gospel en tout cas. Absolument, tout à fait. Il y a eu un premier album, c'était la, Color of a Dream, non? Dream and Color. Dream and Color, c'est à peu près la même chose. Voilà. Je suis un peu dyslexique, c'est pour ça. Et, ça c'est, et puis après, il y a eu Nuance Gospel. Où tu reprenais plein de chansons, et notamment l'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour. La lettre à France. La vie, voilà, la vie en France. Oui, la lettre à France. Georgia, Wonderful World. Des standards. Oui, oui, voilà. Des standards solo. Des standards solo, voilà. Cette fois-ci, on va se faire un petit arrêt sur un duo. Vous allez avoir droit à un duo dans un instant. Mais avant le duo, on va resituer un petit peu James Brown. On ne l'a pas beaucoup entendu depuis le début de cette émission, James, quand même. Un petit peu, dans ta voix, bien sûr, dans votre rythme, mais pas au niveau des chansons qui ont marqué notre mémoire. Donc voici un petit mix signé James Brown. Et juste derrière, le premier duo de la soirée, c'est Janis et Chris Gibson avec le Soul Circus Big Band, avec une chanson qui est assez curieuse pour James Brown, parce que c'était plutôt un macho, James Brown. Yes, he was. He wasn't Mr. Pitiful at all. Not at all. No. Mr. Pitiful, ça c'est le surnom, un des surnoms qu'on donnait à Otis Redding. Par contre, James, c'était plutôt the hardest working man in show business, le plus dur travailleur. Hein? Mr. Dynamite. Yeah. Même sous la couette et tout, c'était affolant. Alors voici un petit show mix James Brown pour vous resituer le personnage si besoin était, et puis juste derrière. Une chanson, je vous le disais, étonnante pour James, un hommage à la femme, parce que c'est vrai que sans une femme, les hommes ne seraient rien. Et il fallait que ce soit... That's true. Voici le showmix James Brown, et juste derrière, vous allez réserver vos applaudissements les plus chaleureux pour Chris Gibson et Janis Jamison. This is a man's world. Man's world. Man.
and Bill Nay. Chris Gibson, Janis Jamison, it's a man's, man's, man's world. Merci beaucoup. Alors, je vous jure, je sais pas si ça passe à la caméra, mais je vous jure que j'ai pas fait exprès, je me suis pas mis un glaçon sur le bras. J'ai les poils qui se hérissent. Et vous? C'est merveilleux, c'est hallucinant. C'est tellement facile de faire ce métier quand on est entouré par des gens comme ça, je vous jure, c'est une piece of cake. Bon, alors, là maintenant, on va. Alors, il y a un monsieur dans le fond qui était tout excité, qui me disait Sharon Stone, qui Sharon Stone. Non, c'est pas Sharon Stone qui va chanter. Mais c'est vrai qu'il y a un air. Ah ouais. Mais Caroline est plus jolie. Alors, ceux qui se souviennent du film, ceux qui se souviennent des Blues Brothers, avec Dan Aykroyd, bien sûr, et John Buscemi, vont se souvenir également de cette chanson qui a fait tourner chèvre un certain cuisinier, parce qu'il faut dire que sa femme se nommait Aretha Franklin. C'est Caroline qui se charge de Think. Merci. All right. Yeah. I ain't no doctor in the green, but it don't play the mouse.
Otis and James. Caroline. Caroline. Caroline, mesdames, messieurs, Caroline. Alors, là maintenant, la personne qu'on va recevoir, c'est... comment dire? Faut que je mesure mes mots, parce qu'en fait, je suis tombé amoureux d'un mec ce matin. Ouais, non, mais c'est platonique, hein. C'est platonique. Non, 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 mais à un moment donné, il faut conserver une certaine intégrité, quand même. Mais c'est un homme extraordinaire. Si vous n'avez jamais vu une légende vivante comme ça, même s'il y en a déjà eu un paquet sur scène, alors celui qui arrive, lui, il a respiré le même air qu'Otis Redding. Je vais vous dire comme ça. Le même air que les Stones, le même air que Jimi Hendrix, le même air que Johnny Hallyday, le même air que Claude François. Il a rencontré à peu près tout ce qui se fait depuis 40 ans dans le show business. Vous allez applaudir Monsieur Vigon qui va me rejoindre ici. Cœur de la légende d'Otis et James, Vigo. Monsieur, monsieur Vigo, veuillez me rejoindre, s'il vous plaît. J'en ai pas fini avec vous. Vigo, 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 Vigo. Alors, Vigo a été et reste, depuis les années 60, l'un des plus grands, et je pèse mes mots parce que je vous jure que j'en ai écouté un paquet, l'un des plus grands soulmen, l'un des derniers géants encore des nôtres. Donc rien que pour ça, je vous propose de vous fracasser les mains comme il faut pour ce grand monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors Vigon, oui, Bruno. Si on veut avoir un témoignage de l'époque dorée d'Otis and James et surtout d'Otis Redding, puisque tu l'as côtoyé en première partie, Otis Redding, il a la réputation auprès des gens qui ont bossé avec lui, je pense à Steve Cropper de Stax Records et tous les gens qui ont bossé avec lui, d'être un gars charmant, un mec humble, quelqu'un que les musiciens attendaient avec impatience. Il paraît que quand ils enregistraient avec Sam and Dave, ils enregistraient avec tous les autres grands membres de Stax, mais tous les musiciens demandaient, c'est quand qu'il vient Otis ? Parce que c'était quelqu'un de très humble et de très simple. Toi qui l'as côtoyé de très près, tu confirmes ou pas cette affaire? Je confirme, il est comme Bruno, comme vous, sympathique. Et c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Vigon va pas nous quitter, il va revenir tout à l'heure. Merci infiniment d'être des nôtres ce soir, Vigon. Alors... C'est un programme même pas 5 étoiles. C'est facile, du 12 étoiles ce soir. Vous passez une bonne soirée pour l'instant, ça vous plaît ?
Vous n'avez encore rien vu ni rien entendu. Si je vous dis... non, je ne veux pas la chanter parce que je chante comme une casserole, donc ça ne va pas le faire, etc. Mais si je vous dis des choses comme « What's Another Year » par exemple, ou « Hold Me Now », ça vous rappelle peut-être quelqu'un qui est australien d'origine, irlandais d'adoption et qui va nous rejoindre sur scène maintenant pour nous faire pousser l'adrénaline et monter la température d'une poignée de degrés fabuleuse. « Try a Little Tenderness » Otis Redding par Monsieur Johnny Logan. Do get weary wearing that same old shaggy dress. But when she gets weary, try a little tenderness. That's all you gotta do. That's all you gotta do. She may be waiting, just anticipating a thing that she'll never, never, never possess. While she's there waiting, him and now, why don't you just try a little tenderness? That's all an Irishman's gotta do. I'll tell you. It might just be a little bit sentimental. She has her hopes and her cares. Soft words get spoke so gentle, yeah, yeah. They make it easy, easy to bear, yeah, yeah. She won't regret. And young girls, they don't forget it. And it's all so easy now. It's all so easy. Come on, take my advice. Try a little tenderness. Why don't you just heed my advice? Take her by the horn. You gotta love her, please her, tweeze her. Sweet.
Ce soir, cover spécial Otis & James. Toute la légende de la soul sur Nostalgie. Nostalgie. Monsieur Johnny Logan en cover. Merci. Thank you. Third time. Well done, really. Merci. Can we have the votes from the Belgian jury? Merci. Thank you. Alors, lorsqu'on a su pour la tournée Otis & James qu'il y avait Johnny Logan sur la liste des artistes qui allaient participer à cette tournée, donc je vous le rappelle, 16, 17 et 18 décembre, Colfontaine, le Forum de Liège et le Cirque Royal. Oui. Et je l'ai rencontré tout à l'heure et je lui disais, tiens Johnny, comment ça se fait que tu étais sur une liste d'artistes soul? Et alors il me dit, mais you told me that your background, your musical background, was soul music. I played with Andrew Strong's father when I was 18 years old. I was the guitar player in the band. He was the singer with the Commitments. Voilà. I sang with his father in a soul band, so I played this music. I never sang it until tonight, but I played it. Il n'avait jamais chanté cette soul music jusqu'à ce soir. Donc ça s'applaudit parce que ça... Vous avez vu ce qu'il a fait? Eh bien, quand il avait 18 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Les Commitments d'Alan Parker, qui raconte l'histoire d'un groupe d'Irlandais qui veut monter un groupe de soul music. Il y avait un chanteur extraordinaire là-dedans qui s'appelle Andrew Strong. Et ben, Johnny jouait la guitare avec le père d'Andrew Strong et il passait de pub en interprétant des standards soul. Donc ça fait vraiment partie de ses racines musicales. It comes from your roots. Yeah, well, I grew up with soul music. You know, Irish music is really European soul music. You know? Absolutely. And like they say, the Commitments, the Irish people are the black people of Europe. Yeah. That's what we say. We got soul. C'est ce qu'ils disent dans le film. Les Irlandais sont les blacks d'Europe. Donc voilà. On est ici avec Johnny Logan. Il y a un autre duo qui nous occupe maintenant. Justement, Johnny va pas bouger, il va rester là. Et Chris Gibson et lui vont se partager le micro sur une chanson qui a une histoire à la fois magique et tragique quelque part. Trois jours avant ce crash d'avion funeste qui va nous priver d'Otis Redding, il avait enregistré une chanson qui marquait un véritable tournant dans sa carrière. On disait à ce moment-là qu'il allait devenir encore plus grand qu'il ne l'était déjà au moment de son décès. Et cette chanson sortira six semaines après le décès d'Otis Redding. Ça s'appelle Sitting on the Dock of the Bay. Alors éclatez-vous comme des fous et partagez la tendresse de Chris et de Johnny Logan sur ce standard d'Otis Redding. Sitting in the morning sun, yeah. I've been sitting in the evening comes, watching the ships roll in, watching those ships, and I'm watching away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed down the Frisco Bay. I got nothing to live for, looks like nothing gonna come my way. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide. Everybody singing, tout le monde, on y va.
Vos applaudissements, s'il vous plaît. Chris Gibson, Johnny Logan, Sitting on the Dock of the Bay. Nostalgie. Cover spécial Otis et James. L'hommage ultime à Otis Redding et James Brown. En public sur Nostalgie. En public ici dans des studios qui respirent bon, qui fleurent bon la légende. Il y a des gens somptueux qui se sont succédés ici pour enregistrer des albums légendaires. On va les citer en vrai comme ça, de Cure, Indochine, Sardou. Il y a plein de gens qui sont venus ici, Mylène Farmer. Enfin, il y a tellement de vedettes qui sont venues. C'est incroyable de se retrouver dans ce lieu et avec les équipes techniques d'ICP également, les ingénieurs du son, toutes les équipes. On peut les applaudir s'il vous plaît, ils font un travail magnifique. Alors, on ne pouvait pas louper l'occasion en ayant Johnny Logan ici. Would you mind to just sing a few notes about the two songs that everybody remembers? Waterloo, how would it feel if I... Voilà, je lui demande de nous chanter quelques notes de chansons dont tout le monde se souvient. Il nous fait Waterloo, évidemment. Now, a few years later. A few years later, what's okay. Another year? All kinds of every... No, okay. Okay. I've been waiting such a long time looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long, long time, reaching out for you, but you're not near. What's another year? Yeah. Middle eight. What's another year to someone who's lost everything that he owns? And what's another year to someone who's getting used to being alone? I've been crying such a long time with such a lot of pain in every tear. What's another year? Yeah, yeah, yeah. What's another year? Yeah. What's another year?
c'est bon. Voilà. Thumbs up. Si ça, c'est pas du live, vous pourrez dire que vous étiez à cette soirée cover, que vous avez entendu Johnny Logan avec une voix qui n'a pas bougé, qui est pareille. Et pourtant, Dieu sait si vocalement, il a eu des ennuis de santé il y a quelques temps. Et depuis, bah, il a gagné encore plus. You just had a wider range now in your voice. I had an interesting life. Yeah, absolutely. Alors cette fois-ci, on va se faire un petit mix de Otis & James, évidemment, puisque la soirée est dédiée, vous le savez, à cette tournée monumentale à laquelle Nostalgie est super fier d'être partenaire et d'être associé, bien sûr. Otis & James, on vous rappelle une énième fois les dates, c'est pas la dernière, je vous rassure. 16 décembre à Colfontaine, c'est dans quelques jours. 17 décembre au Forum de Liège et le 18 décembre au Cirque Royal de Bruxelles pour clôturer la partie francophone de cette tournée qui aura démarré le 19 novembre au Casino d'Ostende. Bon alors là maintenant, un petit mix de James Brown et juste derrière Johnny Logan, il va encore payer sa personne au niveau vocal. You're still going to pay vocally on the next song because it's a tough one. No, this is a joy. It's lovely to be up here with the boys in the band, the girls and with the Gibson brothers. It's a real honor. Il dit que c'est un honneur d'être avec tous ces musiciens, les Gibson, Soul Circus Blues, Big Band. Donc le petit mix, Otis & James, c'est juste derrière. Vous allez voir, il va vous envoyer la patate. Si vous restez assis, on vous frappe. Attention, c'est parti. Nostalgie cover, Otis & James. Avec l'immense Johnny Logan, le Soul Man. Johnny Logan. You can have a rest. Encore vos applaudissements les plus chaleureux pour Monsieur Johnny Logan, s'il vous plaît. C'est là-dessus, c'est sur ces trucs-là, qu'on juge les vrais artistes, les vraies légendes. Tout le reste, c'est du traficotage, on fait ce qu'on veut. On peut faire chanter une casserole en studio. Mais là, ici, il n'y a pas de tricherie possible. C'est du live et du vrai live. Est-ce que le live de cover vous plaît ce soir? Alors, je propose à Chris de me rejoindre. Tiens, j'ai une petite sucrète pour toi. Alors, c'est un petit frisco. Alors, trois dates à graver au fer rouge. Il ne faut pas les louper. Hein. Alors, le 16 décembre, Colfontaine. Ouais. Espace Magnum. Espace Magnum. 17.
Le Forum de Liège. Forum de Liège. Et le 18, c'est le point d'orgue. Cirque Royal, Bruxelles. Voilà, donc n'oubliez pas, les places sont disponibles via ticketnet.be, je pense, et la FNAC aussi. Bien sûr. Donc voilà, venez assister à ce spectacle, ne fût-ce que pour soutenir le présentateur, qui, on m'a dit, est un petit peu timide, donc ce serait bien que vous veniez. Ça lui fera plaisir, à lui, à sa famille, enfin à ses enfants, tout ça, etc. Alors, ce show, maintenant, comment ça s'est passé? Maintenant qu'on arrive quasiment dans la dernière ligne droite, déjà, de ce cover, deuxième du nom, c'est là que vous faites « Oh !» Non, j'avais dit, on aurait dû mettre un prompteur, hein, parce que vous êtes... Voilà. Mais tu sais, on a oublié quand même de parler d'un artiste, grand artiste qui participe avec nous. Hein. Bien sûr. Michel Jonas n'est pas avec nous ce soir, mais il sera sur scène avec nous. Voilà. C'était normal que Mr. Swing soit dans l'affaire. Non, mais c'est... il n'a pas pu se libérer. Il n'a pas pu se libérer pour ce soir. Et je continue. Michel Jonas est l'âme. Oui. Oui. Et Ahmed Mouissi de Powo, la voix de notamment le morceau Mon frère dans les 10 commandements exceptionnels, etc. Bien sûr. Vous le connaissez. Il sera là aussi sur la tournée et ben c'est une tournée qu'on peut pas louper. 16, 17, 18 décembre. Avec des artistes comme ça, Michel Jonas, Lam, Ahmed, Ivan Sevic, ouais. Les Gibson, bah toujours ouais. De service bah, et le Soul Circus Big Band. En plus, et ouais. Vigon, mais là et vous, Vigon, vous alors, connaissez maintenant. Puisqu'on parle de lui, ça tombe plutôt bien, c'est une magnifique transition. Alors c'était Eddie Floyd, si je dis pas de bêtises, qui avait créé cette chanson. C'est Otis qui l'a rendu légendaire. Bien sûr. Et donc on va toucher du bois, mais lui il en a pas besoin de toucher du bois parce que c'est une légende qui tient debout toute seule, sans avoir besoin de bois ni de quoi que ce soit. Il nous rejoint Vigon pour Knock on Wood. Oh, il est là. Ça fait peur. Love, 'cause you love,
Dupont dans Cover sur Nostalgie. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Chris, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Maestro. Tous les artistes jouent live pour vous. Alors c'est passé à une vitesse, on n'a pas idée. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce cover numéro 2. Et vous vous souvenez de votre texte? Voilà. On espère que vous avez passé une magnifique soirée à bord de la légende de la soul avec tous ces artistes merveilleux. Et je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Caroline, pour Janice Jamison, pour les Gibson Brothers, pour Vigon, pour Johnny Logan, pour le son Circus Big Ben, s'il vous plaît. Hands up, baby. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, mais vous allez retrouver le 16 décembre à Colfontaine, le 17 au Forum de Liège et le 18 au Cirque Royal de Bruxelles. Autrement dit, Michel Jonas, Lam, Ahmed Mouissi, Ivan Sevic. J'ai oublié quelqu'un? Et le grand final qu'il vous réserve là maintenant, histoire de vous remercier tous chaleureusement d'être venus. C'est un plaisir de faire de la radio pour des gens comme vous. Et ben là maintenant, ça va être un petit Living in America avec tous les artistes ensemble. Et vous pouvez vous déchaîner. Rendez-vous à un prochain cover. Merci. We'll be right back.
Magnifiques artistes, les équipes sont les ingénieurs, toute l'équipe d'ICP et l'équipe de votre légende bien sûr. À tout à l'heure sur La Légende. Merci. Soul Sweaters, Big Bang.